Oh shit. I guess that's one less bitch you gotta worry about. Bien, salut à toutes et à tous, c'est Paranix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto comment build Gohan Ultime. Donc en apparence, nous prendrons une apparence plutôt basique, donc on va prendre un corps moyen, sauf qu'on va choisir une corpulence plutôt fine. On va pas prendre celle du milieu, on va prendre celle qui est tout à gauche, parce que Gohan, enfin, est musclé, mais on dirait qu'il est pas trop musclé. Donc j'ai décidé de prendre la plus fine des Saiyans. Je pense que ça lui va plutôt pas mal. Donc vous voyez là, on va mettre en taille moyenne et en morphologie. On va pas choisir celle-là, on va choisir celle-là. Je pense que c'est plutôt plus approprié. Vous allez voir qu'on va changer juste après. Donc Gohan, franchement, c'est comment dire, le fils à Son Goku quoi. Il est plutôt facile à créer. Donc pourquoi il est facile à créer? Parce que il y a sa coupe de cheveux déjà dans les coupes prédéfinies. Ce que je trouve déjà mieux par rapport aux autres personnages. Par exemple, si tu veux faire un Goku, bah, faut déjà avoir la perruque. Donc c'est un peu chiant. Parce que là, vous pouvez le créer directement. Donc faut juste avoir la technique, enfin les tenues de Goku. Parce que bon, on n'a pas la tenue de Son Gohan en ultime. Parce qu'elle se rapproche trop de celle de Goku. Donc ils ont préféré mettre que celle de Goku. On peut avoir le gi de Son Gohan, vous savez, en bleu là. Mais j'ai préféré le mettre en mode ultime parce que pour moi, c'est ma forme préférée. Donc c'est bizarre, je change pas, on dirait la morphologie. Pourtant, normalement, je la change, la morphologie. C'est un peu bizarre quand même. Donc je mets les yeux noirs et les cheveux noirs. Parce que bon, bah, tout le monde sait que il a les cheveux noirs. Et là, j'avais carrément zappé que bah, y avait sa coupe. Je crois que c'était une perruque. Du coup, je la cherche. Et je la trouve. Voilà. Donc il ressemble pas mal à Gohan comme ça. Alors peut-être que c'est dans un autre build que je modifie la morphologie. Je pense que j'ai fait plusieurs builds aujourd'hui. Donc je sais pas. Moi, je pensais plutôt le mettre en plus maigre. Là, je lui cherchais un petit regard, donc là, il était un peu vénère, mais on dirait pas trop Gohan. Là, il était trop, les yeux trop ouverts. J'aimais bien comme ça, moi. Il était pas mal vénère, je voulais le mettre, donc je l'ai mis à un moment. Et puis de loin, je me suis dit, bon. Enfin, j'ai vraiment hésité sur les yeux, quoi. C'est la partie où j'ai le plus hésité. Soit c'était ces yeux-là, voilà. Je crois que j'ai pas mis eux. Hein. Je pense, pour moi, eux, c'était trop grand. Je crois, hein. En tout cas, j'ai pas mis le truc où il était vénère parce que je sais pas, il y avait un petit truc. Ouais, comme ça, je crois que je l'ai mis comme ça, mais je suis pas sûr. Je cherchais beaucoup, j'ai beaucoup cherché. Donc voilà, comme ça, on pourrait le mettre comme ça aussi. Hein. Donc, mais je crois que je l'ai pas mis comme ça. Et j'hésitais vraiment, vous voyez, je mets dans tous les sens, quoi, je cherche le meilleur. Et à la fin, je suis resté sur ça. Donc, j'ai pas changé la morphologie. C'est bizarre, ça doit être sur l'autre build qui sera proposé dans l'autre vidéo. Ah si, je l'ai, voilà, je l'ai changé. Et ça me fait des fans tout seul, voilà. Donc on va se retrouver tout à l'heure pour mettre les vêtements et les techniques. N'empêche que j'avais raison sur la morphologie. Donc voilà. Vous allez lui mettre la tenue de Goku en entière. Donc moi, il y a 100 symboles, on s'en fout hein, tant que c'est du Goku. Voilà ce que ça donne. Donc là, je cherchais... ce qui avait marqué son symbole, et Gohan n'a pas de symbole. C'est vrai qu'il en a pas dans le dos. Du coup, c'était plutôt cool. Donc voilà, on dirait vraiment Gohan. Je pense que franchement, le build est pas mal fait. Donc après, là, on va mettre les techniques, bien évidemment. Donc en technique, je vous conseille de mettre, si vous voulez vraiment le faire, pas à la perfection, mais si vous voulez qu'il ressemble au maximum, en technique, je vous conseillerais, l'enchaînement explosif. Après, je mettrai un petit Kamehameha, un Mazenko peut-être. Je crois que j'ai mis le Mazenko, ouais. Voilà, Mazenko. La charge d'énergie. Donc, bien évidemment, parce que Gohan aime bien charger son énergie comme tout le monde. Du coup, on va lui mettre une charge maximum. Parce que franchement, on va pas se faire chier à mettre des charges qui chargent pas trop vite, quoi. Donc, charge maximum. Ensuite, en méga attaque. Donc, on va mettre le Super Kamehameha. Et là, je cherchais une attaque. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Donc à un moment, je voulais voir, ouais, voilà. J'ai hésité à lui mettre le combo de la justice. J'ai hésité, mais finalement, je me suis dit, il le fait pas.
en cette forme, j'ai préféré mettre une super vague déferlante. C'est peut-être pas original, peut-être que vous aurez mis autre chose. Peut-être le Kamehameha une main, mais il le fait que quand il est dans le futur, quoi. Donc après, on aurait peut-être pu faire Gohan du futur, il n'y a pas la coupe. Le potentiel libéré, et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager la vidéo, c'est très 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 important. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!